regardez, c'est le monde à l'envers. C'est le monde complètement à l'envers. C'est Rebecca qui dort et c'est papa qui emmène la fille à l'école. Tout va mal. Allez, tu viens, chérie. Allez, viens, mon amour. Laisse maman dormir. Montre-moi. Il y aura. Ouais. Ça va, papa, il a assuré la classe. Hello à tous. Bon, il est 7h10, j'ouvre le vlog moi maintenant que maintenant. J'ouvre le vlog que maintenant, je suis pas maquillée, rien du tout. Ça a été une journée de passage à vide, on va dire. J'ai fait tout mon boulot ce matin, le montage du vlog, la gestion des mails. J'ai un truc un peu compliqué à gérer en ce moment aussi, niveau pro, que je dois gérer absolument parce que du coup, il faut... Enfin voilà, bref. Je sais pas trop si je dois prendre un avocat ou pas, enfin à voir, on va attendre un petit peu, voir si... Je peux pas, en fait j'essaie de vous expliquer sans vous en parler mais je peux pas, donc je vais pas vous en parler plus que ça. Mais voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, donc du coup là je vais aller chercher Eliora dans 10 petites minutes et après elle va m'aider à me préparer puisque ce soir je sors avec mes copines Julienne et Vanessa. Vanessa vous l'avez déjà vu hier et Julienne ça fait un moment. Bon, et il y aura. Non, pas le temps. Mais c'est moi qui vais me maquiller et qui vais faire mes cheveux. Ah, je savais pas, je croyais que tu prenais ta douce. Bah non, tu m'as dit non, tu prends pas de douche, comment? Donc, du coup, je suis coiffée comme un as de pique. Non, je vais faire un shampoing sec. Je voulais prendre une douche pour laver mes cheveux parce que j'ai eu la flemme ce matin, mais je vais faire un shampoing sec. Non, tiens-moi parce que je me gratte le pied. Tu te grattes le pied. Bon, cette enfant, elle est fatigante. Papa, yaya, raga. Papa, yaya, bébé. On traîne l'autre couleur comme ça. Je sais pas comment on va faire pour faire l'autre couleur. Bon, du coup, voilà. Eliora a passé une bonne journée à l'école. C'est très bien passé. Elle nous a fait des jolis dessins. Tous les jours, je repars avec un dessin. C'est vrai que tu me fais des dessins tous les jours. Hein. Tous les jours, on repart avec un dessin. Si vous avez des idées de quoi en faire, dites-le-moi en commentaire parce que je ne sais pas quoi en faire. Ça part à la belle poux, la majorité du temps. Monte à moi, hashtag bad mom. Je vais te dévorer la main. Et là, Eliora, Eliora, tu vas m'aider à me maquiller. On va choisir, oui, on va choisir les couleurs ensemble. Qu'est-ce que... Et on va demander à Google qu'ils nous mettent Henri Dess aussi. Là. C'est le Père Noël. Père Noël. C'est le Père Noël. Père Noël. Mon amour. Allez. Ok, mais Google. C'est le Père Noël sur Spotify. J'ai même ma tignesse qui a habité maintenant. Allez, on choisit les couleurs. Abandonne mes deux amours et je vais retrouver mes copines. En fait je sors jamais juste pour voir mes copines, je sors toujours dans le cadre d'événements et là je vais juste voir mes copines, c'est trop bien. J'ai toujours cette espèce de sentiment de culpabilité genre mais pourquoi tu sors, mais en fait ça fait du bien et c'est la première fois que depuis très très longtemps que je sors juste toute seule voir mes copines sans que ce soit un événement pour le boulot. Je suis trop contente. Elle a bien choisi les couleurs et bien. Bon, je suis bien arrivée et donc je vous disais, on mange au resto Radio Eats ce soir avec en guest number one, Julienne. Non, je picole pas. Non, jamais. En guest number two, Vanessa. Et puis nos petits verres voilà, pour l'apéro. Hein. Allez, aux soirées entre copines. On a vu sur les tours Eiffel qui scintille. Regardez-moi ça si c'est pas trop beau. C'est trop chouette. On commence. Oui, vraie soirée fille. Yvette. On commence par une vraie burrata avec des petits poireaux confits là. Allez, vas-y. Allez, allez, vas-y. Voilà. Elles se sont jetées sur le truc. Elle dégouline, elle est trop belle. Bon, les filles, elles ont pris du saumon gravlax et moi j'ai pris un tartare de bœuf avec des frites. Ça me met hyper équilibré les frites comme ça, nickel. Il est venu le temps des desserts. Alors moi j'ai pris des perles du Japon avec un kapla de chocolat et
la Miss Linguette qui est ici, que vous votez, elle a pris une crème brûlée. Il faut taper bien, dessus. Vous vous souvenez des trucs quand on était petite? Enfin, on n'était pas petite en même temps, mais si. Sandy, non? Non. Vous ne pas? Non. Oh, merde, on a pas. C'est horrible. Plein.